Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo pour vous présenter le Chris Vector de la marque KWA que vous avez ici, hein. Vraiment magnifique réplique. Donc on voit clairement, je vais vous montrer un peu plus près. Donc ici vous avez le sélecteur de tir coup par coup. Le mode un peu spécial qu'il y a dessus, c'est doublette. Et oui, c'est tac 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 tac, deux petites doublettes tranquilles. Et le mode full. Ici vous avez un petit rail RS pour fixer une lampe, n'importe quoi. Bon. Ici, l'embout, on peut mettre un silencieux si on le désire. Un grand rail RS au-dessus pour fixer n'importe quel système de visée. Ici, la sécurité, simple, rapide. Ici, le levier d'armement. Une petite poignée ici. Puis, chargeur. Et pour déverrouiller, une fois que la culasse est reculée. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'il y a la poignée qui se plie. Si on est vraiment dans des zones confinées, hein. Quand même savoir que le Chris Vector a été élu arme pour le CQB 2012, quand même une excellente réplique. Donc voilà, on déverrouille, on ouvre et là on est en tir précis, là on est fixe. Donc voilà, il faut savoir aussi que la crosse derrière là est réglable en fonction de l'épaulé, hein, si on désire être un peu plus loin ou pas, bon, un réglage quand même assez important là-dessus. Donc ensuite le chargeur, là, chargeur de 49 billes, c'est quand même important pour un GBB, hein. Qui est très pratique quand on a des AEG avec des high cap en face. Donc voici, on charge. Donc on va faire le mode coup par coup pour commencer. Voilà, on charge la première. Voilà, on met ce tir. Là, en sécurité. On sent quand même tout de suite le mode doublette. Donc pour changer, hein, toujours en main, tac, une petite pression. Que des doublettes, très pratique pour éviter, pour économiser ses billes justement, parce que bon, le GBB, le désavantage c'est toujours qu'on a des chargeurs d'une trentaine de billes. Bon, là on en a quand même 49, c'est déjà un gros avantage. Et maintenant le mode full, le plus impressionnant sûrement. Donc voilà, Chris Vector, le prix 426 €, un beau joujou. Un miroir, un isolshot, Colmar, 96 Rudinger, ça y est. Voilà, bonne journée.